Salut tout le monde, c'est Vandrak et on se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de Mario et les Lapins Crétins. Donc, la dernière fois on avait fait une grosse zone de combat qui a duré tout l'épisode. Fallait escorter Toad, on a retrouvé donc Toadette. Ils ont mis le bloc de glace qui contient Lapin Mario dans une porte. Et on a vu Bowser Jr. qui s'est servi du pouvoir du lapin avec le casque là. Bah pour nous sortir ce que vous voyez devant vous là. Sur votre écran, Bleedy et Pyrocyclone. Un lapin de feu et un lapin de glace. C'est pour ça que je voulais pas le faire dans l'épisode précédent, parce que ce combat me fait franchement flipper à mort. Parce que je sens que je vais douiller et je risque très fortement de perdre des personnages pendant le combat et de ne pas avoir une revue parfaite quoi. Donc on va se lancer ça tout de suite, j'appréhende très fortement, c'est parti. Vaincre les mini-boss. Oui parce que forcément ils sont deux, c'est des boss, mais il y a quand même des petits avec eux. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a quand même 1, 2, 3 petits. Rien ne dit qu'il n'y en a pas d'autres qui vont pousser pendant le combat. Bon, ils ont 75 points de PV ceux-là, mais c'est dès qu'ils peuvent déclencher des attaques chargées, c'est-à-dire que quand on se déplace, ils nous shootent pendant le déplacement comme Mario fait. Donc voilà. On a donc des zones en haut. Mais je pense pas pouvoir les atteindre dans ce tour-là. Ok, ça c'est le chemin pour la suite, donc on s'y intéresse pas tout de suite. On remarque que celui de là, ça a 210 points de vie. La vache ! A 210 points de vie, et l'autre en a 420. Son attaque, elle va jusqu'où ? Parce que là, on peut pas bien voir, en fait. Ah si, on peut... Ah, j'avais pas... What the... Mais non ! Mais non ! Vous voyez ce que je vois ? Mais non ! Toute la zone de combat est à sa portée. Absolument toute la zone, parce que là je pense pas qu'on puisse y aller. Et puis de toute façon même, on n'a pas assez de déplacement pour y aller. Ah là, je peux me mettre un petit peu, mais il suffit qu'il fasse un déplacement de quelques cases, puis il peut m'atteindre. Mais non, la vache. Puis lui. Lui, j'ai toute la partie là que je peux quand même aller. Ça a l'air d'être un petit peu moins puissant. Enfin, un petit peu moins de portée, quoi. Waouh. Bah non, je veux pas, mais bon. Je crois ne pas avoir trop le choix, quoi. Je doute que je puisse choisir de ne pas lancer le combat puis de faire juste la suite directe hein. Tout simplement. Ok, alors si je me mets là, est-ce que je peux attaquer là-bas? Ouais, je le sens très mal. Je le sens mal. Ah oui, non, mais c'est pas celui que... Je croyais que c'était Lapin Luigi, mais non. Ouais, donc lui, je peux bien les atteindre avec l'attaque comme ça, d'accord. Bon. Avec l'attaque comme ça. Voilà, donc lui, il a déjà plus de protection, c'est déjà ça. Mais là, je suis peut-être hors de portée. Mais je dois être hors de portée parce que j'ai pas le pourcentage, donc voilà quoi. Donc là je peux l'atteindre. Là aussi. On va essayer hein, on va bien voir. Ah, il peut pas bouger. C'est déjà ça.
Et en plus, j'ai fait une attaque critique. Donc il a plus de 84 points de vie. Ouf, ça c'est cool. Si je peux déjà éliminer celui-là, ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà un bien. Donc on va activer ça. Hop. Là on va faire. On va prendre gros risque. On va se mettre là. Maintenant je peux pas. On va se mettre là. Gros risque. Je me suis qu'à moitié couvert. Et à moins d'un gros critique, je ne pense pas finir. Alors là, je dis que pour un coup, j'ai une chance de malade, quoi. Le mini-boss qui me faisait le plus peur, j'ai réussi à l'éliminer en un seul tour. Alors là, je dis que... Il y a peut-être une chance que j'y arrive. Peut-être. Parce que l'autre a moins de portée, mais il a plus de points de vie. Oui, forcément. Et il cherche son truc. Lui, il a déjà bien morflé. Et forcément, ils ont toujours de la chance, eux. Toujours. Et il a chargé son truc aussi. Et ils ont toujours de la chance, eux. C'est un truc de malade. Hein. Et lui, il vient se mettre là. Et... Oh non, mais non! Mais non! Ah, c'est une attaque de zone qu'il a, j'aurais peut-être dû avoir plus peur de lui que d'autres choses, quoi. Non, mais j'y crois pas, quoi. La vache! Alors ça devrait briser son bouclier, logiquement. Mais non, faut que je les sépare un max, quoi. Comme ça, il peut en avoir un, mais pas les trois. Comme ça, il peut en avoir qu'un, mais pas les trois. Ouais. Bon, un peu de régène, c'est pas de mal. Là, je peux faire ça. Ou je peux achever celui-là. Je vais déjà peut-être... Ouais, mais si je bouge, en fait, il va m'attaquer. Ouais, il y a des chances que... Si je... De toute façon, je vais bouger forcément, donc il va forcément m'attaquer. Ah non. J'ai récupéré 16 points de vie. J'ai récupéré 16 points de vie, et je vais faire ça. Boum, 137, attaque miel et il peut pas bouger. C'est bon ça, c'est bon. Je vais faire ça. Toc. Et j'ai dit que je voulais pas les resserrer de trop. Du coup... Ouais mais là je suis à total découvert de tout le monde en fait. Les trois autres peuvent m'attaquer à 100%. Et j'ai plus de 80 points de vie avec elle. Ouais. Si en fait c'est le boss qui me fait le plus peur. Si je pouvais me débarrasser du boss en premier, ce serait fantastique. Ah, pas de coup critique. Pas tout le temps, forcément. Alors là, soit je mets le bouclier, soit j'essaye de me soigner. Le truc, c'est qu'à mon avis, dans les deux cas, je risque de la perdre.
40%. Ouais. Ouais, on va essayer ça. Ah, d'accord. Ah, d'accord. En fait, une fois que le gros est éliminé, les petits sont peut-être plus faciles à terminer, quoi. C'est ça que je me dis. Ouf. Ah, il s'est mis ça. Ok, je m'en doutais. Je m'en doutais. Lui est là. Je me tais parce que j'essaye de me concentrer un petit peu. Voilà, bon, il ne reste plus que les trois petits. Ah, mais en fait, ça finit le combat. Ah, bah oui, bon, en fait, c'est nickel. En fait, il a fini. J'ai fini super vite. Bon sang! Ah, je vois que notre ami frigorifié s'est décidé à nous rejoindre. C'est une pâle imitation de l'original, bien sûr, mais... Tout allié dans le combat qui nous oppose à Bowser Jr. est le bienvenu. Je te suggère de retourner au château de la princesse Peach pour faire le point avec notre nouvel ami. Ah, je me suis retenu le temps qu'ils finissent, mais ah, c'est trop bon. Ah, ils sont excellents ces lapins, franchement j'adore. 3 tours sur 7 quand même. 3 tours avec 7 maximum prévu. J'ai quand même fait... Faut finir le premier des deux en un seul tour. Je pense que c'est un gros coup de chance. Parce que attaque critique, plus machin, plus bidule. Franchement, on me l'aurait dit avant que j'aurais le premier en un seul tour. J'aurais jamais cru. Alors, Lapin Mario, remonte-le, lâche-le et ne traîne pas dans le coin. Consulte l'arbre de compétences de Lapin Mario pour le préparer pour le combat. De nouvelles armes sont disponibles. Ok. Pouh, ok, bon. Que d'émotions. J'ai bien cru que j'allais laisser la peau de mes lapins, mais non, ça s'est passé. On n'aura pas mis si longtemps de ça pour le faire. Ni pièce ni bonus, pas même une astuce pour le joueur, ce bloc est complètement vide. Ça j'ai pas le pouvoir encore, on est d'accord? Non, non. Ok. Ah non, mais là je suis content. Ouch. Oui, forcément. Forcément, fallait que ça enchaîne sur un autre combat. Alors, attendez, ils ont dit qu'il y avait des nouvelles armes. Alors... Ouh, ça augmente les dégâts. Plus de chances de faire du miel, enfin des attaques miel. Et les dégâts de miel sont plus élevés. Ça, ça va être le machin rebond. Mais j'aime bien le miel parce que ça... Ça les bloque sur place. Donc je vais prendre ça. Ah, évidemment, je vais pas m'amuser à l'acheter. Pour ne rien en faire. Alors, là c'est pareil, on en a deux nouvelles. Machin de poussée ou machin de miel aussi.
Donc on va prendre l'éclabousseur. Hop. Oui. Et là on part sur la... Ah, c'est un truc secondaire pour lui. Ok. C'est du secondaire pour lui. Donc elle fait 5. Ça fait 5 points de dégâts en plus. Et un petit peu plus d'incinération ou de poussée. Alors on va prendre le percutor. On va prendre le percutor. Ouais. Ça sera pas mal. Évidemment. Là, il n'y en a pas. Lapin Mario. Ah ouais, mais elle est carrément cheatée, lui. Enfin, cheatée, t'es pas exagéré non plus, mais ouais. Avec l'attaque de base, il fait entre 90 et 100 de dégâts. Vampirisation. Ah ouais. Mais je crois qu'il va remplacer un de mes bonhommes pas tarder, lui. Ouais, avec le commandant cartouche. On va y équiper ça, tiens. Équiper. Hop. 90 à 100 de dégâts. Oh la vache. Mais de base, quoi. Ah, par contre, la charge, elle fait que 20. Mais elle soigne. Elle soigne et lui fait vampirisation. Elle lui aussi fait vampirisation, quoi. Ah, c'est compliqué. Attends. Attendez, 240, lui il y a 265. Ouais, je crois qu'il va remplacer le lapin Luigi. Ah, mais il fait 50 en charge, lui. Ah, mais ça devient compliqué, là. Ouais, mais je crois qu'il va remplacer Lapin Luigi, quoi. Donc, on va mettre lui. Elle. Et Lapin Mario. Ouais. On va tester ça, puis si je vois que ça va pas... On remettra Lapin Luigi. Alors... Lapin Mario réalise une attaque de zone explosive en... Oh, oui, mais il faut faire attention aux alliés qui sont juste à côté aussi. On va l'activer. Les ennemis à portée sont attirés par Lapin Mario. Ouf. Ah si, oui, pour les gros, si on veut s'en servir comme appât, oui, c'est sûr que bon. Ouais, ça c'est comme Mario, quoi. Alors, dégâts de charge, ça augmente. Encore plus 20, ça passe à 50, comme ça il reviendrait sur Lapin Luigi, quoi. Rajouter encore, mais je préférerais peut-être ajouter un deuxième possible comme ça. Il est pas mal ce lapin Mario en fait. Ouais, il est pas mal du tout même. Et Mario, est-ce que je peux rajouter des trucs? Je peux rajouter ça. J'avais vu des trucs, je voulais lui rajouter un petit peu de vie. Ça fait 40. Et lui, il a pas moyen d'ajouter une deuxième pour faire deux trucs. C'est vrai qu'il a le saut d'écrasement, lui. Ah ouais, quand il fait un saut ami, oui, il peut machiner. C'est vrai. Il y a trop de trucs.
30, 60, 30, ouais. C'est bien compliqué quand même. Se décider, c'est un peu chaud chaud. Bon, 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 bon. Je me posais une question, si on fait les anciens combats, il y a moyen de récupérer des orbes comme ça? Ce serait bien. Bon, bon, bon. Ça permettrait qu'il tire deux fois, quoi. Ça permettrait de gagner un tour pour le temps de chargement. Et ça, plus de dégâts. Tout est intéressant, quoi. Puis ça aussi. Plus de dégâts avec la charge, franchement, c'est bon à prendre. Hein. L'écrasement, je m'en sers pas parce que j'y pense jamais. Ok, bon. Il va falloir se décider. Il va falloir se décider à un moment ou à un autre. On va mettre ça. Et on va mettre ça. Voilà. Reste plus de 5. Donc voilà. Ok, bon. À 50, elle pourrait ajouter des dégâts. Ah ouais, quand même. Oui, ça coûte tout trop cher. Oh la vache, 100. Ah ouais, non, mais ça coûte une fortune ces trucs à elle. Aussi. On va ajouter ça quand même pour soigner plus. Bon, lui il est plus dans l'équipe donc pour l'instant voilà. Et lui, si je peux mettre un dernier petit truc, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Voilà. Hop. Bon, on est déjà à presque, on est déjà à 23 minutes de vidéo. Lancer un nouveau combat serait peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est comme combat, donc ça m'embêterait de finir sur une défaite, au cas où j'arrive pas. Du coup, je pense qu'on va se quitter là une fois de plus, l'épisode court une fois de plus, mais j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour envoyer les vidéos en ce moment, puis ma connexion est un petit peu pourrave, je n'ai pas la fibre, et je n'ai pas la 4G dans l'appartement, donc je suis soit obligé d'aller chez mes parents pour envoyer avec la 4G, ce qui est très contraignant, soit obligé de faire aller chez moi. Donc on va faire des épisodes un petit peu plus courts en ce moment, et puis voilà. Sur ce, je vous dis ciao et on se retrouve très vite pour lancer ce combat et voir ce que donne Lapin Mario. A bientôt pour la suite, bye bye.